Bonjour, c'est Denis. Donc, je suis là pour vous parler d'une guitare qui s'appelle la Wave, qui est fabriquée par Michel Vincent. Donc, on va faire cette démo en trois parties. Les sons clairs, les sons saturés, puis les sons mixtes, hein, qui seront à la fois saturés et clairs. Voilà. Donc, les sons saturés. Alors, tous les amateurs de rock, de blues, de heavy metal, tout ça, voilà, là, c'est vous que ça concerne. On va illustrer ça avec un morceau de Deep Purple et un riff, par exemple, hein, assez connu. Donc voilà, c'est parti, on va mettre ça. Alors là, je vous conseille pour ce genre de son de vous mettre sur le micro ici, sur le dernier micro, donc le micro chevalet, hein. Voilà, puis d'utiliser un son saturé. Toujours le son saturé. Alors deuxième étape, alors un son un peu plus rock blues avec cette guitare, pas de problème. On baisse un petit peu le son du micro. Donc si vous êtes sur le micro aigu comme on est là actuellement, ben en fait il suffit de baisser légèrement le volume du micro qui est ici. Voilà. Puis on se rend compte d'une chose, c'est que si je monte le volume, on apparaît un son plus costaud. Voilà. Et là un son plus de type rhythm and blues qu'on appelle rock blues. Allez, c'est parti, on va illustrer ça. Le volume. Merci. Alors ce son blues rock peut s'illustrer aussi parfaitement en lead, c'est-à-dire sur un mode plus soliste. Donc même chose, même principe, hein. On coupe légèrement le volume, on obtient ce son qui a du grain, ce qu'on appelle. Voilà, on pourrait dire ça comme ça. Allez, une illustration. Dernière étape, donc dans le son saturé. Alors cette guitare, il y a une chose qui est très importante, c'est qu'elle a un manche conducteur. Alors le manche conducteur, c'est ça en fait. Voilà, c'est-à-dire que c'est un manche qui n'est pas vissé, c'est un manche qui fait partie intégrante de la guitare. Ça a un avantage, c'est le sustain. Donc on va illustrer ça avec quelques solos sympas, voilà. Hein.